Bonjour les filles. Bonjour les copains et les copines, on vous fait les gros bisous, on est super content d'être avec vous aujourd'hui pour un challenge. Un challenge quoi les filles? Gym. Un challenge gym. Bon les copains et les copines, c'est un challenge gym pour les professionnels qui vont regarder. C'est pas de la super gym qu'on fait, c'est la gym. Vous avez quel âge vous avez? C'est 8 ans. 10 ans. Non, non, vous avez 8 ans, vous avez 8 ans, alors on va faire des petites choses en rapport avec la gym. Mais attention, aujourd'hui, on est en présence de la championne de Moselle, j'ai nommé Lola. Alors on va présenter Lola, c'est qui Lola? C'est ma copine qui est avec moi dans la classe, et voilà. Voilà, Lola c'est la bonne copine d'Alicia, et aujourd'hui elle est chez nous, et elle fait de la gym. Tu fais de la gym depuis combien de temps Lola? Depuis que t'es bébé. Et voilà le résultat. Championne de Moselle. Copain, on va faire un challenge. Vous savez combien d'épreuves il y aura? 5. 9 épreuves. Alors on va tout de suite commencer avec le couloir de la roue. Moi je commence. Ah, c'est l'outsider qui va commencer. C'est qui? L'outsider, c'est celui qui normalement est un petit peu moins bon. Normalement Lola, elle doit être meilleure que toi, comme elle est championne. Alors le couloir de la mort, on va tout de suite se mettre en route. Il faut prendre le ruban. Et il va falloir que tu fasses une roue à l'intérieur du ruban sans toucher le ruban. Mais il faut deux rubans. Non, non, un, ça va aller. Alors Alicia, tu dois faire une roue à l'intérieur. Ça, c'est comme ça que ça monte. Sans toucher le ruban, hein. Les copains, je parle comme ça parce que je suis en train de tenir la corde rose dans mes dents. Alors tu vas continuer, Alicia. 1, 2, 3, go! Ah non, c'est pas une roue ça, hein. Ah, tout de suite. Allô là. Alors allô là, pour l'instant Alicia a raté. Lola, que tu as quand tu veux. Ouais. À la prochaine épreuve, le saut à la corde à l'envers. Alors je vais compter, il va falloir faire minimum 10, non minimum, il va falloir faire minimum 15 sauts à l'envers. Celui qui réussit le plus, bah si jamais Alicia en fait 5 et toi t'en fais 6, t'as gagné. Mais à 15 on s'arrête. Alors t'es prêt? Oui. Allez, un coup d'essai là, vas-y. Ok, c'est bon. Allez, attends, stop. Voilà, maintenant ça commence, hein. Maintenant c'est du sérieux, je compte. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13! 13 pour Alicia. On va voir Lola si elle arrive. Lola, un coup d'essai si tu veux. Un coup d'essai. Voilà, c'est mal parti. Allez, je te laisse encore un coup d'essai. Ok. Bon, je vais compter maintenant. Hein. Je pense que je vais pas compter longtemps. Allez, go! 1! Allez, je te laisse encore une chance, vas-y! 1! 2! Bon, on va arrêter les dégâts ici! Alors, un point pour l'autre, un point pour Lola, un point pour Alicia! À la prochaine épreuve, une épreuve similaire, mais ce coup-ci. À l'endroit. À l'endroit, et où? Dans la piscine. Non, dans la piscine! Non, non, dans la trampoline! Allez, let's go, l'anthropoline, on y va, on court, l'anthropoline, Lola, on se lève, on y va. Alors, Alicia, t'es prête? Alors, toujours pareil, je vais compter jusqu'à 15. Oui. À 15, tu t'arrêtes si t'arrives à faire 15, et après, Lola, elle fera pareil, hein. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bon! Allô là! Allez, vas-y, dans la corde à Lola! Allez, let's go Lola! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ouais! Ex aequo! C'est bon Lola! Un point partout, un point pour Alicia, un point pour Lola. Prochaine épreuve les filles. Est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la danse sur la terrasse? Non, c'est pas l'épreuve de la balle encore. Là, c'est une épreuve de pompe. Allez, sur la terrasse.
10 pompes, Alicia. Attendez, attendez, stop, 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 stop. Vous allez les faire ensemble? Mets-toi en face. Oh non. 10. 10. Le premier qui s'arrête, il y en a qui s'arrête avant, il a perdu, hein. Mais on peut faire comme ça. Allez, à 3. Hein. On peut faire comme ça. Ouais, faut faire des pompes, hein. Des pompes, sinon c'est de la triche. Fais-les bien. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ex aequo. 3-3. 3-3. Oui, mais Alicia, elle faisait pas tout bas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je donnerais un demi-point à Lola parce que Lola, elle se baissait beaucoup plus que toi quand même. Hein. Oui, mais j'avais plus de force. Prochaine épreuve. Une épreuve pour toi, Lola. Salto sur le trapeau. Moi aussi, t'arrives. Allez, cette épreuve, cette épreuve. C'est Lola qui va la faire en première, en premier. Comme tu veux, hein. On va faire salto avant en premier, et puis après tu pourras faire un salto arrière. J'arrive pas toujours. Ah, quand tu veux, hein, tu vas quand tu veux. Hey! Bon, Lola va nous faire une petite démonstration de flip salto. Ça, Alicia, elle sait pas faire. Lola, quand tu veux. Oh, super! Bon, le salto avant il est réussi, maintenant Alicia va réussir, elle va faire. Pas toujours. Ah bah tu essayes, hein. Quand tu veux, Alicia. Ouais. Épreuve de nouveau, ex aequo. Alors, prochaine épreuve, l'épreuve de la poutre. Dans toutes les salles de gym, il y a une poutre. Oui. Et nous, on a mis une poutre sur la piscine. Alicia, je vais quand même te donner la main parce que l'eau, elle est un petit peu froide en cette fin septembre. Allez, tu vas quand tu veux. Allez, où j'ai peur. C'est plus une épreuve de courage. Comme je tiens, voilà, bravo. Allez, à Lola. Attends, Lola. Arrête, Alice. Lola, regarde-moi. Ouais, réussi. Alors, prochaine épreuve, marcher sur les mains. T'arrives à marcher sur les mains, Alicia? Oui. Et toi, Lola? Alors, on a mis une ligne, on a mis une ligne ici. Et c'est celui qui va marcher le plus loin sur les mains. Je pense que Lola, elle va réussir un petit peu mieux, mais bon, l'essentiel, c'est de participer, hein. Oui. Allez, Alicia, vas-y. Ouf, ouf. Ici. On met ma chaussure, là. Ouais. Je vais l'écraser. Attends, recule un petit peu, recule un petit peu. Je vais l'écraser. Ouais, c'est pas grave. Marche pas dedans, t'auras la main qui pue après. Voilà, bah t'as gagné. Là. Pas de beaucoup, mais c'était un petit peu plus loin qu'Alicia. Non, ça va. Allez, montre-moi voir comment vous marchez un petit peu mieux là. Je suis sûr que Lola, t'arrives mieux à marcher que sur les mains que ça. Voilà, c'était le ruban qui te perturbait là. Allez, prochaine épreuve, la balle entre les jambes. Vous êtes prêts? Vous connaissez cette épreuve là? Oui. La balle, elle est ici. Les participantes, elles sont ici. Monsieur l'arbitre, il est ici. Alors Lola, le principe, je vais te lancer la balle une fois, tu me la relances, tu fais une roue. Je te relance la balle, tu me la relances, tu fais une roue. Jusqu'à 5. Si tu lâches la balle, l'épreuve est perdue. T'es prête? 1. 2. 3, 4, épreuve réussie pour Lola, bravo!
À toi, Alicia. Et moi, j'ai marché dans la gamelle du chien. J'ai les pieds tout mouillés. Alicia, l'outsider. Pour l'instant, on est à combien là avec des résultats? Ah ouais, ok, si tu réussis ça, t'auras 5. D'accord, alors. T'es prête? Oui. 1. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Bravo! Réussi! À la prochaine épreuve, le grand jeté. C'est toi qui commence? Alors, cette épreuve va être notée sur. Sur un point. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, prochaine épreuve, le grand jeté. Ok, alors vas-y, montre-nous. Alors je vous rappelle les amis, championne de Moselle, 8 ans. Wow! Alicia, comment tu es entrée celui-là? 6. Sur 5? Oh, t'es gentil. Alors épreuve remportée par Lola. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bête? Non, il y a une feuille. Ah, oh. Les feuilles, j'aime bien ma maison. Dernière épreuve, attraper la balle. Dernière épreuve, la balle entre les jambes. Ah, la balle, c'était là. Où est la balle? Ouais. Allez. Ouais. Bravo. Ah, Alicia, maintenant, c'est bon. Voilà les amis, cette petite vidéo est finie. On remercie Lola d'être venue chez nous aujourd'hui, cet après-midi. Elle va dormir chez nous avec Alicia cette nuit. On la remercie d'avoir participé à notre vidéo. Ça t'a plu, Lola, de faire un petit challenge avec Alicia? Oui. Alors pour tous ceux qui ont trouvé Lola super cool et super sympa, Lola débute sur YouTube. Et à une chaîne YouTube qui commence. Si vous voulez, elle fait de la gym sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, ça s'appelle comment, Lola? Little Gymnast. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez faire un petit coucou à Lola sur sa chaîne. Mettez-lui un petit commentaire. Et voilà! Sur ce, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Ciao tout le monde! Ciao! Attention, on a le